Salut, c'est Last Angel et on se retrouve pour un nouveau jeu qui nous est apparu au Summer Game Fest. Vous avez aimé Limbo, vous avez aimé Little Nightmare, vous attendez avec impatience Spray. Eh bien, sachez que dans le registre, il y a un petit jeu que j'ai découvert, que je trouve vraiment très sympathique, qui s'appelle Daydream Forgotten Sorrow. Et ce petit jeu devrait vous parler si vous avez aimé les titres précédemment cités. Alors, le pitch, vite fait, vous incarnez un petit garçon qui s'appelle Griffin, qui est pris au piège dans un monde totalement inconnu, pas du tout accueillant, avec des monstres, etc. Et pour seul ami, il a son petit ourson, Billy. C'est un petit ourson en peluche. Et tous les deux vont devoir coopérer et puis résoudre des énigmes, etc. Donc, dans la veine des Limbo, dans la veine des Little Nightmares, etc. Voilà, on va faire plus ample connaissance donc avec Griffin et cet univers un peu cauchemardesque dans lequel il évolue, juste après le petit générique. Alors, notre aventure commence un soir de pleine lune, comme vous pouvez le constater, hasard, coïncidence. Parce que c'est un peu glauque quand même comme jeu. Alors, ce que je vais vous présenter, là, c'est vraiment le début du jeu, où vous allez découvrir Griffin et Billy avec moi. Et on n'aura que des phases de puzzle, etc. pour cette vidéo-là. Il n'y a pas de phase de combat, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, ce qui concerne la date de sortie pour les gens qui seraient intéressés. Il n'y a pas de date de sortie pour le moment officielle, il n'y a qu'une fourchette, c'est prévu normalement pour le troisième trimestre 2022. Donc voilà notre petit Griffin là, qui a l'air d'être puni ou on ne sait pas, voilà, ça commence, c'est un peu chelou et ça ne s'arrange pas avec cette main qui n'a pas l'air de lui vouloir du bien. Donc on reconnaît un petit peu quand même hein, l'influence Little Nightmare, Limbo, etc. Univers un peu glauque, toujours avec des enfants, etc. Donc là, Griffin va prendre son petit nounours. Et vous allez voir que le nounours, il va falloir qu'on s'en occupe de plusieurs manières différentes, puisqu'on devra l'aider assez souvent à passer des obstacles. Lui, en retour, nous aidera, on pourra lui donner des ordres plus tard. Au début, on ne peut pas, mais on pourra lui donner des ordres plus tard. Et je trouve que la direction artistique est vraiment chouette, même si ça rappelle un petit peu malgré tout Little Nightmare. Bon, on sent l'influence, mais il y a des passages, il y a des tableaux qui sont vraiment bien, bien, bien chouettes. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi durant l'expérience que j'ai pu avoir. C'est pas toujours très précis. En revanche, alors pour le moment, hein, c'est une démo. Le jeu sort dans plusieurs mois. Il y a encore le temps de travailler là-dessus. Il y a aussi quelques petits bugs. Il y a un petit bug bloquant, par exemple ici, si vous poussez le chariot un peu trop près du mur. Il y a en fait le mur et le truc va passer à moitié à travers. Et quand vous passez, vous montez dessus, c'est pour ça que j'ai fait attention de ne pas le mettre trop près du mur. Et quand après vous allez monter sur le truc, si vous sautez pas correctement, vous allez passer à travers le mur. Et du coup, c'est un bug bloquant, vous êtes obligé de recharger le niveau. Mais bon, à part ça, j'ai rien vu d'autre. Ça a l'air stable, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les énigmes, évidemment, au début sont relativement simples. Elles vont évidemment se compliquer par la suite. On a des petites choses comme ça là, pour nous surprendre. Alors après, c'est le genre de jeu, il n'est pas non plus très très effrayant. Hein. Il y a des petites. Voilà, c'est surtout beaucoup dans sa tête, je pense, à Griffin, où elle fait un cauchemar, elle est dans un monde un peu chelou, effrayant. Mais vous pouvez le faire avec vos enfants sans problème. Bon, quand même qu'il soit relativement. Pas tout petit quand même, mais voilà. Donc là, si on avance, il fait tout noir. Donc on a une première énigme à résoudre. Et là, c'est notre ami Billy qui va nous donner un petit indice et apprécier le souci du détail. On voit donc le petit ours qui est rentré dans la tente et on voit son ombre à l'intérieur. Il nous jette un rail. Donc on voit qu'il manque un rail sur le train. Donc on va poser le rail là où ça manquait. Évidemment, il faut du courant.
parce que sinon le train électrique ne marche pas, puisque c'est un train électrique. Et notre petit nounours va s'occuper de conduire le train électrique. Et comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure que le train électrique avance, on a un petit éclairage. Moi, j'en profite pour monter sur le train, tant qu'à faire, hein. Histoire de ne pas trop peiner. Et puis, bah, quand on va avancer maintenant, on va avoir de l'éclairage et on va voir ce qui se passe devant nous. Alors là, il y a un petit truc à pousser pour permettre au train de pouvoir continuer. Bon, nous, on suit, hein, on a un peu d'éclairage. On va laisser quand même passer l'ours devant, histoire de savoir où on met les pieds. Bon, le train électrique a eu un malencontreux accident. Et là, on va commencer à découvrir une première nouvelle mécanique. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la possibilité de donner des ordres à notre petit ourson. Alors, j'ai avancé, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue et que vous voyez pas mal de choses. Mais souvent, quand l'ours, là, vous voyez, il regardait l'horloge, c'est qu'il y avait probablement quelque chose à faire avec l'horloge. Parce que l'ours, quand en général il s'arrête et qu'il regarde quelque chose, c'est une petite aide, on va dire, entre guillemets. Donc là, c'est assez simple, la façon de donner des ordres. Vous appuyez sur le bouton supérieur gauche ou supérieur droit de votre manette, au-dessus de la gâchette. Et puis, vous orientez s'il y a plusieurs choix avec le stick et vous validez avec la touche A, comme on nous l'indiquait à l'instant. Là, je vous laisse profiter de cette petite scène légèrement dramatique, où on pourrait reconnaître presque la vilaine méchante de Resident Evil 8. Mais que ferait-elle ici? À moins que... Ah non, c'était dans sa tête. C'était juste un mannequin derrière, une ombre de mannequin, et elle s'imaginait qu'il y avait un monstre derrière le paravent. Donc, bah, l'ourson, lui, il a réussi à monter, mais par contre, il a tout cassé. Alors, comment qu'on va faire? Et là, il faut avoir un bon sens de l'observation, parce que comme vous pouvez le constater, on a effectivement un tuyau pour pouvoir se pendre. Alors, c'est toujours, évidemment, quand on regarde une vidéo de quelqu'un qui joue, qui sait comment déjà les puzzles ont été faits, c'est toujours facile de dire « ouais, c'est vachement évident, machin, facile et compagnie ». Mais je vous assure qu'au début, ce puzzle-là, je ne l'ai pas fait tout de suite, parce que on est tellement habitué, en fait, dans les jeux, à avoir un petit indice, une petite couleur, hein, soit c'est blanc, soit c'est jaune, soit c'est rouge, sur les trucs avec lesquels on peut interagir, que quand il n'y a rien dans le décor, tu cherches pendant un petit moment, parce que tu n'es plus habitué à réfléchir, entre guillemets, parce qu'on te prend par la main. Là, le jeu ne te prend en aucun cas par la main. Bon, ça peut vous paraître encore un peu facile, mais il y a des cassettes sur lesquelles je me suis cassé la tête. Notamment celui-là, je n'avais pas capté au départ que voilà, je pouvais m'accrocher à ça. Et donc, je me cassais la tronche régulièrement. Alors attention, parce que la petite, elle est fragile. Hein. Elle ne peut pas tomber de trop haut, sinon elle meurt. Alors là, on a de la vapeur. Et si elle passe entre la vapeur, elle va mourir directement. Donc, le premier réflexe que j'avais eu, c'est d'envoyer l'ours de l'autre côté pour voir si des fois, il ne peut pas lui faire quelque chose. Et là, c'est assez tordu, en fait, parce que en fait, on n'a aucun indice sur... voilà, il faut vraiment chercher. Là, je remonte à ce truc-là. Et en fait, la caisse, on ne la voyait pas. On ne voyait pas ce qu'il y avait au-dessus, ni rien du tout. Donc, il y a des moments comme ça où c'est pas forcément évident de trouver la logique du truc. Là, j'ai mis un petit moment avant de comprendre qu'il fallait monter finalement trouver une caisse qu'on poussait, et derrière, il y avait la valve qui permettait de pouvoir enlever la vapeur et puis qu'on puisse passer. Alors, c'est pas des choses insurmontables, puis souvent, on va chercher, enfin, en tout cas, moi, sur les jeux à puzzle comme ça, je vais toujours chercher midi à 14h. Je me complexifie toujours le... Vous me direz dans les commentaires si c'est votre cas. Mais je me complexifie toujours les choses. Alors là, je vous laisse profiter de ce décor carrément glauque. Et j'en profite pour vous rappeler que si ces vidéos que je vous fais vous plaisent, si mon contenu vous plaît... Ah, oh mon Dieu, quelle horreur, que se passe-t-il? Cette main qui veut encore nous faire du mal... Voilà, alors attention, parce que là, les QTE, je trouve que c'est... bon, c'est pas une révolution, mais si par exemple vous échouez le QTE là, vous allez recommencer, ça sera pas la même touche. Les touches sont aléatoires. Et là, quand vous êtes sur la deuxième partie du tuyau, si vous n'êtes pas bien, il faut bien le personnage le faire avancer sur le milieu du tuyau, donc des fois vous êtes obligé
de faire avancer un peu le personnage vers vous pour le mettre bien sur le tuyau, etc. Parce que sinon, on tombe assez fréquemment. Bon, là, c'était assez évident. Donc, je disais, si mon contenu vous plaît et que vous en regardez pas mal et que vous appréciez mon contenu et que vous en voulez plus et que vous voulez récompenser mon travail, n'hésitez pas, hein, y a un petit bouton « Merci » en bas. Qui vous permet d'offrir une Ricorée, ça fait toujours plaisir, et puis ça fait fonctionner la chaîne, et ça aide énormément, merci à ceux évidemment qui utiliseront ce bouton. Donc nous reprenons, là on n'est plus en mode scrolline horizontal, on est en mode scrolline en profondeur, et là on regarde un petit peu comment ça se passe pour pouvoir aller de l'autre côté, puisque là elle ne peut pas sauter sur le truc du milieu. Donc apparemment on peut interagir avec ça, donc ça déclenche un premier truc. Mais ça ne nous aide pas pour l'autre côté, puisque l'autre côté ça a l'air... Alors la perspective n'est pas évidente, on n'a pas forcément une bonne visibilité de la distance. Moi j'ai eu du mal à évaluer la distance. Donc après, vous l'avez compris, hein, on va sauter sur les piliers là, qui vont se monter. Là on en voit... notre petit ourson de l'autre côté pour activer celui qui est de l'autre côté. Nous, on va activer celui-là. Après, il faudra qu'on fasse vite pour... voilà. Mais la perspective, elle n'est pas évidente là, pour savoir exactement à quel moment il faut sauter. J'ai eu plusieurs échecs avant de faire ce run où j'ai quasiment pas fait d'échec dans ce run. Je dis bien quasiment. Voilà, donc là, si on tourne ça... On s'aperçoit que la statue, bon bah voilà, elle tourne. Il y a une autre manivelle dans la statue. Donc en fait, c'est pas à moi de la tourner. En fait, cette manivelle, c'est à notre petit ourson. Alors, bon, là, l'ourson, il va falloir que je le rappelle qu'il vienne auprès de moi, parce que des fois, il vit sa vie, lui. Hein. Il va se promener. Et donc, comme il n'est pas près de nous, on ne peut pas lui donner l'ordre de tourner la manivelle. Il faut qu'il soit assez près de nous pour qu'on puisse lui donner des ordres au niveau des objets qu'on veut lui faire interagir. Donc là, on va récupérer la petite manivelle manquante. Bon, c'est un peu, des fois, laborieux. Je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas très très précis par moment, mais c'est pas très très gênant. Hein. En tout cas, moi je trouve voilà, ce jeu vraiment très intriguant, l'univers sympa. Sachant que par la suite, il y a des combats de boss, etc. Donc encore une fois, qu'on ne verra pas ici. Si la démo me le permet, j'ai pas été plus avant. Et que vous êtes intéressé pour que je revienne sur ce jeu-là, j'y reviendrai. On en parlera, mais là, on s'est focalisé sur les énigmes. Donc nous, on va rentrer bah, évidemment là-dedans, hein, puisque apparemment, c'est un passage qui nous est offert. Et là, on passe en vue verticale, vite fait, et on s'aperçoit qu'en fait, on est... voilà, on n'est pas où on pensait qu'on était, on est carrément au-dessus des nuages, on ne sait pas où on est exactement. On ne sait pas dans quel monde on est. Alors on examine un petit peu les lieux pour savoir ce à quoi sert quoi. Donc là on voit qu'apparemment ce truc là a l'air d'être un genre de verrou ou quelque chose dans ce goût là. Là ça fait penser un peu, vous savez, à la bande-annonce de Guard Legacy là quand on voit... un escalier comme ça se mettre. Alors hop, alors là il l'a mal mis, voilà, donc du coup on va lui demander de lâcher, on va retirer un petit peu, on va lui redemander de le refaire. Allez, vas-y mon petit voilà, et là ça s'est bien accroché, donc c'est bon, on peut emprunter cet escalier. Alors, la verrière, oui, elle n'est pas super solide. Hein. J'ai eu peur à un moment donné que quand on repasse dessus, notre perso tombe et qu'il y ait encore une autre énigme pour arriver à passer sur la verrière. Mais non, ils nous ont évité ça. Ah, là, j'ai failli tomber. Alors là, il faut courir et sauter. Parce que si on se contente de marcher, en fait, on tombe. Je vous donne l'astuce, hein, parce que sinon, vous risquez de criser un peu comme moi. Donc là j'ai oublié, parce que oui il faut faire passer d'abord le ch'ti nounours, parce que lui il n'est pas capable de faire un saut comme ça. Donc je reprends mon élan et hop c'est reparti. Voilà. Alors n'hésitez pas hein, dans les commentaires, hein, encore une fois je le dis, hein, à me dire ce que vous pensez des jeux, de cette rubrique indé d'ailleurs.
Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que ça vous intéresse? Alors là, un petit casse-tête qui m'a un petit peu posé de problème. C'est le premier d'ailleurs qui m'a posé un petit peu de problème. Pourtant, une fois qu'on l'a compris, quand vous allez le voir, vous allez dire bah, où est-ce qu'il a peiné? Moi, j'aurais compris tout de suite. Bah oui, parce que bon, bah, quand on vous montre la solution, ça va tout de suite mieux. Alors, donc, là, on va prendre notre petit pote, on va le balancer là-dessus. Nous, on va donner des coups de tête là-dedans pour faire descendre le truc rouge. On va l'accrocher. Et voilà, on va lui donner l'ordre d'aller de l'autre côté. Et donc, il a fait tomber une caisse. On récupère une bouteille. Et on va péter le vitrail avec la bouteille. Voilà, et on va récupérer notre pote, et vous l'avez compris, on va prendre notre pote et on va le balancer par la fenêtre. C'est un ours en peluche, hein. Je vous rassure, aucun ours n'a été maltraité durant le tournage. Hein. Voilà, alors là, bon, évidemment, il faut que je l'appelle vers moi, parce que sinon, bon, il va rester là-haut, lui, il va profiter de la vue, tranquille. Il est mignon avec son petit bandana, je trouve, ce petit nounours. Les deux d'ailleurs sont super mignons, je trouve. Voilà, allez, on le balance là-dedans. On va prier pour qu'il sache ouvrir une porte. Alors, en tout cas, il est en train de faire un sacré bazar à l'intérieur. Je sais pas si vous avez entendu, il est en train de casser des trucs. Voilà, c'est merveilleux. La porte s'ouvre. Et là, on arrive bientôt au terme de cette vidéo. Et oui, déjà, je sais, c'est une présentation assez courte, mais suffisamment représentative pour vous donner envie, si vous aimez ce genre de jeu, de vous y intéresser, éventuellement de faire un tour sur la page Steam. Vous aurez le lien sous la vidéo. Et je trouve que les gars qui ont fait ce jeu ont fait un vraiment très joli travail. On a une très belle vue là sur la fin. Alors, c'est un monde un peu bizarre, vous voyez, les nuages sont un peu chelous, il y a une lune sur la droite, voilà. Mais je voulais pas vous en montrer plus non plus, trop non plus, parce que c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut découvrir soi-même. C'est un peu après gâcher, spoiler voilà. Vous avez vu déjà dans la petite bande-annonce au début, que je vous ai mis. Je vous mets toujours un petit peu la bande-annonce au début, elle était très difficile à trouver celle-ci. Vous avez vu qu'il y a des combats de monstres, etc. Donc ça vous donne un peu un aperçu de comment le jeu évolue. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore une fois content de mon travail et que vous voulez que la chaîne progresse et que je vous propose de plus en plus de programmes, n'hésitez pas à devenir membre soutien. Allez, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment. Bye!